Je vais vous faire une vidéo peut-être un peu différente de ce que vous avez l'habitude de trouver sur ma chaîne. C'est vrai que moi c'est assez rare que je vous présente vraiment des produits. Je vous donne surtout des conseils, des astuces, je vous partage notre quotidien. Mais c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de vidéos produits ou achats ou autres. Principalement parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer en fait. Les achats en général c'est une pierre à sel, un sac de nourriture pour Egon et des piquets de clôture de chez Decathlon. Voilà, mais je m'étais quand même toujours dit que le jour où je trouverais vraiment quelque chose d'intéressant, de sympa à présenter, qui change un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement, là pour le coup c'est tout de suite plus intéressant d'en parler en vidéo. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui c'est le cas, puisque je vais vous parler de la marque Jump Your Air. Alors mon histoire avec Jump Your Air, elle a commencé il y a un an. Alors à la base j'ai complètement flashé sur leur logo, je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve trop beau. Je trouvais vraiment ça super joli, puis en plus avec du bleu turquoise forcément, moi ça me parle. Ça c'est la première chose que j'ai remarqué qui m'a fait flasher dessus, et la deuxième c'est la petite mention qu'il y a sur tous leurs produits, c'est tout le concept de la marque Jump Your Air, c'est-à-dire qu'ils proposent des produits de soins capillaires aussi bien adaptés aux cheveux des humains qu'aux crinières des équins. Et puis il y a quelques mois, en mars, dans ma recherche personnelle de produits de soins pour mes cheveux, je me suis dit pourquoi ne pas tenter finalement ces produits magiques entre guillemets que j'avais vu à PAD, et j'ai été complètement convaincue, ce qui fait que j'ai postulé peu de temps après pour devenir ambassadrice de la marque. J'ai eu l'immense chance d'être sélectionnée comme ambassadrice, ce qui m'a permis de recevoir tous les produits de la gamme, donc les produits que je n'avais pas encore. Comme ça j'ai pu vraiment tout tester. Et ben voilà, c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui, pour vous donner vraiment mon avis sur tous ces produits que j'ai testés donc sur moi et sur les loups. En fait, Jump Your Air, c'est l'association de deux passions. Donc d'un côté, des produits capillaires d'une qualité professionnelle, et de l'autre, la passion du cheval. Et chaque produit de la gamme a pioché dans ces deux univers à première vue très différents pour donner une combinaison magique qui est la kératine et la biotine. La kératine, c'est donc un produit qu'on retrouve dans pas mal de shampoings. C'est en fait la protéine de la fibre capillaire. Et la biotine, pour le coup, on la trouve plutôt dans les écuries. Il y a pas mal de produits pour chevaux à la biotine. Donc après, je suis peut-être pas la mieux placée pour vous parler des onguents, la biotine et tout, parce que comme vous le savez, sur les ânes, je n'utilise vraiment pas grand-chose. Hein. Je pense que pour le coup, vous trouverez des gens qui vous expliqueront ça beaucoup mieux que moi. Mais voilà, c'est vraiment cette association de kératine et de biotine qui fait que du coup les deux univers se mélangent et chacun s'apporte quelque chose en fait. Ce qui est important à savoir aussi, c'est lorsqu'on parle de produits pour chevaux, on souligne souvent l'importance d'avoir un pH adapté à leur peau, et c'est un pH un peu plus acide que ce que nous on utilise normalement. Et en fait dans certains remèdes de grand-mère pour les soins des cheveux, en fait on nous conseille de mettre du jus de citron sur nos cheveux, et c'est justement pour rechercher en fait cette acidité qui va faire du bien aux cheveux. Du coup ça fait que le pH n'est absolument pas un problème pour nos cheveux à nous, même si c'est un peu plus acide que ce qu'on peut trouver d'habitude. Au contraire, c'est quelque chose qui est généralement plutôt recherché, donc c'est parfait. On commence donc avec le shampoing, qui est donc le tout premier produit que j'ai testé chez eux. Du coup, pas trop de surprise si, après avoir testé les shampoings, j'ai décidé de me lancer à fond dans Jump Your Air et de devenir ambassadrice, c'est que globalement, j'ai plutôt été conquise. Alors déjà, le premier point positif, juste trop bien,
c'est l'odeur. C'est à peu près la même odeur sur tous les produits de la gamme. Je saurais vraiment pas la décrire, mais juste elle est folle cette odeur. C'est très différent de ce qu'on a l'habitude de sentir dans les shampoings, produits capillaires traditionnels. C'est pas du tout ultra fleuri ou ultra... Je sais pas comment dire. Je suis pas une youtubeuse de beauté, hein, je sais pas si ça se voit. J'ai pas les termes. En termes de lavage, il lave super bien. Moi je sais que j'aime pas me faire trop de shampoing. J'essaie vraiment de les espacer au maximum et avec ça, ça marche très très bien. Ah oui, une chose importante à signaler aussi, c'est que les produits Jump Your Hair ne sont pas 100% naturels, mais ils essayent vraiment d'être au maximum, de contenir un maximum d'ingrédients naturels en fait. Donc ça c'est trop trop chouette, moi vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur quand même. Parce que j'ai testé le shampoing sur Egon, parce que oui je l'ai testé sur Egon, forcément lorsque je rince l'eau ça coule par terre quoi, ça coule dans mon pré. Du coup voilà, c'est quand même mieux de savoir qu'on peut shampouiner son poney sans trop culpabiliser, qu'on va pas faire trop de dégâts, que voilà. Et du coup dans la même lancée, ce sont également des produits qui ne sont pas testés sur animaux. Donc bah, ils sont testés sur des poneys quoi, mais... Ça c'est vraiment quelque chose pareil auquel je tenais énormément. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis orientée vers Jump Your Hair à la base. C'est parce que je savais que eux ne testaient pas leur shampoing sur des animaux qui n'ont rien demandé. Donc gros gros point positif. Autre point très positif, c'est que, bon, comme vous le disiez, je me lave pas les cheveux tous les jours, j'essaie vraiment d'espacer au maximum mes shampoings. Mais du coup, pour vous donner une idée, cette bouteille là, qui est le petit format, m'a duré 3 mois. Donc ça aussi je trouve ça plutôt positif parce que on n'a pas besoin d'en racheter tout le temps quoi. Après forcément si vous vous lavez les cheveux plus souvent que moi, que vous les lavez tous les jours, tous les deux jours, bah, ça va aller plus vite. Mais quand même je trouve que mine de rien il y en a quand même une bonne quantité dans un pot, donc ça je trouve ça très très chouette. Maintenant sur Egon ça a pas totalement eu l'effet que j'espérais, c'est-à-dire que je pense que le shampoing n'était pas adapté à lui, tout simplement parce qu'il existe une deuxième version de ce shampoing que je ne peux pas vous présenter aujourd'hui. Pour le coup c'est vraiment le seul produit que je n'ai pas reçu. C'est que ce shampoing là il existe en violet, justement pour les personnes blondes, pour les chevaux à la crinière claire, et moi Egon c'est le cas. C'est compliqué parce qu'il a la crinière plutôt noire mais avec quelques crins blancs, et la queue c'est l'inverse, il a la queue très blanche. Il a quand même bien lavé je trouve, mais c'est pas 100% déjauni, donc je pense que il aurait fallu tester la version violette en fait. C'était tout simplement pas le bon shampoing pour lui, pour ce que c'est quoi. Et suivi de ce shampoing, que ce soit sur moi ou sur Egon, j'ai toujours utilisé juste après. L'après-shampoing Jump Your Hair, je crois que je l'aime presque encore plus que le shampoing. Il est trop bien. Il est encore un peu plus naturel, c'est-à-dire que le shampoing est à 90%, l'après-shampoing est à 93%, et je trouve son action juste incroyable. Voilà. Moi j'ai des cheveux très longs, j'ai des cheveux qui adorent s'en mêler, mais vraiment. Et ça me les démêle mais si bien. Ça me fait les cheveux juste trop doux, trop soyeux. Et ça m'a également énormément surprise lorsque je l'ai testé sur Egon. Parce que j'ai pu passer mes doigts dans ses crins en fait, dans sa crinière, ce qui n'était pas arrivé depuis... Ce qui n'est jamais arrivé en fait. Vraiment, que ce soit lorsque je l'ai testé sur sa crinière ou sa queue, à chaque fois le résultat était mais bluffant. Ses crins étaient d'une douceur et puis vraiment c'était tout démêlé. Pareil, en termes de quantité, c'est juste impressionnant. Parce que là pour le coup, l'après-shampoing je l'avais vraiment sur toute ma crinière immense, qui en plus d'être longue, est très massive, j'ai vraiment beaucoup de cheveux sur la tête. Et ça, c'est encore mon tout premier pot que j'avais acheté en mars. On est en juillet. Et il n'est pas fini. Sachant qu'en plus, je l'ai utilisé aussi sur Egon. On dirait pas comme ça, mais il y en a vraiment beaucoup dedans, quoi. Donc c'est trop trop chouette. La laque fixante, c'est peut-être au final celui que j'aurais le moins utilisé. Je suis vraiment pas le genre de personne à mettre de la laque au quotidien, voilà. Donc pour le coup je l'ai fait, mais vraiment pour tester le produit. Mais c'est vrai qu'en général, lorsque je mets de la laque, c'est vraiment en situation de spectacle par exemple, vous voyez. Et du coup c'est pas un produit que j'ai l'habitude d'utiliser. Et j'ai été assez surprise avec celle-ci. Alors en soi, le boulot de la laque, c'est de fixer. Et pour le coup, elle fixe assez bien. J'ai fait une coiffure un peu plaquée pour vraiment tester, voir si ça allait bien retenir mes cheveux. Et dans l'ensemble, elle a plutôt bien fonctionné. Ma tresse, elle n'avait pas bougé. Et son gros point positif, vraiment, c'est que lorsque le soir, j'ai tout défait, elle est mais super bien partie.
ça ne collait pas, il n'y avait pas de résidus sur mes cheveux. Voilà, ça je trouve ça vraiment trop chouette. Donc pour ça je la trouve vraiment cool. Mais par contre, en fait j'ai l'habitude des lacs où le produit sort tant qu'on a le doigt appuyé. Et celle-ci ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on appuie, ça fait juste un pchit et il faut recommencer en fait. Et c'est tout. Et du coup ça m'a complètement perturbée parce que pour le coup c'est une bonne chose dans le sens où ça permet d'utiliser moins de produits, mais je trouve que c'est beaucoup moins pratique lorsqu'on en met sur soi parce qu'on n'arrive pas forcément à bien viser là où on met de la laque, comme pour le coup c'est vraiment pas un produit où on peut regarder ce qu'on fait. Par contre pour le coup je trouve que c'est plutôt un avantage lorsqu'on s'en sert sur les animaux justement, donc chevaux ou ânes. Parce que j'ai vraiment pas du tout eu le problème lorsque j'en ai mis à Egon. Pour le coup je regardais ce que je faisais, je pouvais vraiment viser l'endroit où je voulais en mettre. Et pour ce qui est de mon test sur Egon, je suis vraiment très satisfaite de ce qu'elle a fait. Justement parce que ça me permet de pas mettre tout le produit sur mon âne pour que sa tresse elle tienne. Je mets vraiment juste ce dont j'ai besoin, ça tient vraiment bien. Et par contre dès que j'ai envie de défaire la tresse, et ça part tout de suite, il va pas avoir les crins collés pendant 2 jours à cause de ça. Donc vraiment je trouve que pour une utilisation équestre, en tout cas elle est vraiment géniale. Je pense que notamment pour les compétiteurs en dressage, si vous faites des pions à vos chevaux, mais ça doit être trop chouette. Je l'ai pas encore testé sur des pions, là je l'ai testé sur une tresse de queue, elle était vraiment chouette. Donc ouais non, franchement je la trouve très chouette. C'est vrai que c'est juste pas un produit que moi j'utilise au quotidien, mais je pense qu'elle va plus me servir au pré du coup. Et enfin, le dernier produit, mais pas des moindres, c'est l'huile de soin à Jump Pure Air. Qui est vraiment le produit dont j'ai le plus entendu parler avant de me lancer dans cette marque et même de tester les shampoings. J'avais déjà entendu que du bien de cette huile et c'est un peu, j'ai envie de dire, le produit phare de chez Jump Pure Air. Ça se présente dans un flacon en verre, je trouve ça trop joli. C'est forcément le produit que j'avais le plus hâte de tester lorsque j'ai reçu mon colis d'ambassadrice parce que après en avoir entendu justement autant d'échos positifs, je me dis faut que je vois ça de moi-même quoi. Ça a l'air génial, super efficace et tout ça, mais ça reste une huile de soin. Voilà, on va pas non plus en faire toute une histoire. Ah, naïve petite personne. Très clairement, je suis amoureuse. Voilà. Elle a cette même odeur, mais juste fantastique. Qui me fait complètement craquer. C'est une huile qui peut s'utiliser sur cheveux humides ou secs. J'ai fait une fois le test d'en mettre sur mes cheveux humides après mon shampoing. J'ai pas été très transcendée. Disons qu'en fait j'ai pas vu la différence entre faire ma routine classique shampoing après shampoing et rajouter l'huile derrière. Donc pour le coup, voilà, je l'ai testé une fois sur cheveux humides pour voir ce que ça faisait et j'ai arrêté tout de suite après parce que j'étais pas convaincue. Mais par contre, sur cheveux secs, c'est-à-dire que je vous ai vanté tout à l'heure les mérites de l'après-shampoing dont je suis juste trop fan. Et en fait, quand je mets l'huile de soin plusieurs jours après mon shampoing, je retrouve exactement la même sensation que si je venais de me laver les cheveux et que je venais de mettre mon après-shampoing. Mes cheveux deviennent vraiment doux, ils deviennent vraiment très faciles à démêler. Ils sentent trop bon, ils sont trop beaux, ils brillent. C'est une huile qui ne graisse pas du tout les cheveux, tout le monde le dit, mais c'est vraiment parce que c'est fou en fait. Vous voyez, d'habitude, ça laisse toujours un résidu un peu gras, vous voyez, lorsqu'on met de l'huile. Ça ne le fait pas du tout, c'est-à-dire que je vaporise sur mes cheveux, j'attends quelques secondes et je peux vraiment passer ma main dans mes cheveux. Il y a quand même une sensation qu'il y a un produit, mais ça fait pas gras en fait. Puis vraiment juste je me frotte les mains et il n'y en a plus parce que ça aura pénétré ma peau. Ça fait son des mains en même temps du coup, c'est pratique. Son action en fait, ça va vraiment être de réparer tous les petits cheveux abîmés en fait. En venant refermer ses écailles, ça répare le cheveu en fait. Ça c'est quelque chose qui s'est vraiment vérifié lorsque je l'ai testé sur les loups. Je trouve que mes ânes ont la crinière très cassante, surtout à l'arrivée de l'été. Je sais que Fanfan en hiver il a une crinière extrêmement fournie et en été il y a tout qui part, donc entre la mue et les crins qui cassent en fait tout simplement. Il se retrouve avec très peu de crins en été et du coup c'est principalement sur lui que j'ai testé l'huile de soin. Donc d'abord c'est un peu comme sur moi, c'est-à-dire que le jour où je lui mets et puis même d'ailleurs le lendemain ça fait encore vraiment effet.
Il a vraiment cette crinière toute douce, toute soyeuse, toute belle. Et ça, ça m'a fascinée en fait de voir que sa crinière à lui, qui est une petite crinière d'âne, quoi. C'est pas un pur race espagnol qui a une immense crinière ou quoi. Enfin, je pensais pas que ça aurait autant d'effet sur une petite crinière de petite âne. Mais ouais, je les trouve vraiment beaux ces crins une fois que je mets ça. Et je trouve que cet été, j'ai eu beaucoup moins de problèmes de crins cassés. Il a une crinière encore vraiment jolie. Je pense que si parmi tous les profs de jumpurère, il y en a un que j'ai à vous conseiller pour des ânes, un qui est vraiment adapté aux ânes, bah, c'est celui-là. Parce que il est adapté à tout le monde en fait. Autant vous voyez, je ne m'imagine pas trop lui faire un énorme shampoing après shampoing et tout. Parce que ça ne vaudrait pas le coup par rapport à ce qu'il a. Mais vraiment juste le petit traitement à l'huile de soin. C'est trop bien et ça fait vraiment le taf. C'est vraiment le produit qui m'a le plus charmé de toute la gamme et qui me paraît vraiment adapté à tout le monde, quoi. Donc du plus petit poney Shetland au plus immense des pures races espagnoles, en passant par mon petit âne d'1m20 et sa mini crinière. Et je vous retrouve avec un changement de décor et un changement de caméra. Vous l'aurez vu, je viens de passer sur ma GoPro parce que ma batterie m'a lâché. Voilà. Donc comme vous l'aurez compris, je suis globalement complètement satisfaite de mes produits jumpurère. Je suis vraiment trop fière, trop honorée d'être leur ambassadrice. Ce qui me permet du coup de pouvoir vous offrir plusieurs choses. Comme vous l'aurez compris, mon gros coup de cœur ultime revient quand même à l'huile de soin, même si tous les produits sont vraiment trop chouettes, trop géniaux. Et du coup, je vous propose d'en gagner des petits échantillons. Et voilà, 5 échantillons d'huile de soin de jumpurère à vous faire gagner. Et pour participer, c'est très simple. Quelque part dans la vidéo que vous venez de regarder se cache cette petite bouteille masquée, ce petit poney masqué qui peut vous permettre de gagner les échantillons d'huile de soin. Pour ça, il vous suffit tout simplement de m'envoyer en message privé, donc vraiment j'insiste, les participations dans les commentaires seront supprimées et ne seront pas prises en compte. Donc vraiment, envoyez-moi un message privé, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, vraiment sur le réseau social que vous préférez. Et il vous suffit donc de retrouver ce petit poney masqué. Donc soit vous m'envoyez une capture d'écran, soit vous me donnez le minutage en me décrivant l'endroit où il apparaît. Du coup, à partir d'aujourd'hui, je vous laisse une semaine pour pouvoir participer, m'envoyer vos réponses en message privé. Et dans une semaine, je vais tirer au sort parmi les bonnes réponses les 5 gagnants qui pourront remporter 5 petits échantillons d'huile de soin jumpurère. Donc à tester soit sur vous, soit sur votre loup, c'est vous qui voyez. C'était mon premier cadeau. Mais du coup, j'en ai un deuxième qui cette fois vous concerne tous et toutes. C'est un code promo valable sur tout le site internet de Jumpurère, sur lequel vous retrouverez tous les produits dont je vous ai parlé. Vous retrouverez également les versions grand format des shampoings. Et vous pouvez bénéficier d'une réduction sur tout le site en entrant le code FANFAN10. Voilà, donc le nom de mon âne est un code promo. C'est trop stylé. Ça me fait trop plaisir de pouvoir vous partager tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez déjà la marque Jumpurère ou si vous l'avez découverte grâce à nous. Voilà, donc sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.